Mayem et nous allons vous présenter notre jeu, le théâtre hanté. Ce jeu se joue de 3 à 5 joueurs. La durée est de 20 minutes. Ce jeu est à partir de 8 ans. Il y a deux types de joueurs, le fantôme et les écoliers qui doivent jouer contre le fantôme. La rumeur se répand dans toute l'école. Un vieux bâtiment étrange au fond de la cour de récréation serait hanté. Personne n'y a mis les pieds depuis des années. Personne, vraiment ? Eh bien, tout cela va changer, car vous avez décidé de résoudre ce mystère. Vous pénétrez dans le bâtiment et découvrez avec stupéfaction un vieux et magnifique théâtre où réside un vieil acteur, du moins son fantôme. Ce dernier, fatigué de rester seul depuis des années, vous met au défi de retrouver le décor de la scène dans laquelle il jouait lors de sa mort tragique, un terrible accident de lustre qui lui est tombé dessus. Si vous arrivez dans le temps imparti, il partira et vous laissera le théâtre. Dans le cas contraire, vous resterez prisonnier à jamais avec lui dans le théâtre hanté. Nous quatre, nous sommes des écoliers, du coup, on prend une petite fiche et un crayon pour se préparer. Il y a déjà des... Je suis fantôme et pour me préparer, je prends les paravents. Je mets les cartes et le sablier vers moi. Je prends une carte dans chaque tas au hasard. Et je le mets dans le paravent. Je vais faire la première mise en place de la scène avec deux éléments justes et trois éléments faux. Alors, je prends les 2 dés, je les lance et je choisis entre la couleur et le décor. Donc là, je vais choisir le décor. Donc, j'ai le droit de changer le vêtement dans la couleur que je veux. Donc, je vais le changer en vert. Et je vais demander au fantôme combien il y a d'éléments bons. Il y en a 3. 3. Mais ça veut dire que c'est... Je vais lancer les dés. Et je vais choisir des couleurs. Donc je peux changer un élément en rouge. Donc je vais changer le rideau en rouge. Je vais demander au fantôme combien il y a d'éléments qui sont bons. Il y en a 2. Donc c'est... Je suis tombée sur une case des filles, c'est le petit fantôme. Donc je vais la choisir. Il y a 3 types de défis. La charade, la question et le ping-pong. Si je gagne, j'ai le droit de demander une couleur sur la scène. Si je perds, il gagne le jeton fantôme. Donc, à 5 jetons, il gagne. Donc, fantôme pose la question.
Vous devez chacun à votre tour, le fantôme est vu, donner un nom d'un acteur célèbre. On va utiliser le sablier pour le temps. Quand le dernier grain de sablier est tombé, celui le dernier qui a dit la réponse a gagné. Alors, on commence ? Oui. Angelina Jolie. Michael Jackson. Will Smith. Charlie Chaplin. Comme j'ai perdu, comme je n'avais plus le temps, il peut me poser une question. Est-ce que le tapis rouge est bon ? Non. Donc, comme il n'est pas bon, je vais cocher le tapis rouge. C'est bon. Donc, c'est à mon tour de jouer. Oh ! Je tombe sur deux cases défi, enfin cartes défi. Non, c'est moi. Ah oui, mince. Alors, vous devez chacun à votre tour, le fantôme et vous, donner le nom d'une fleur. Attends. 1, 2, 3. Bégonia. Nénuphar. Lotus. Iris. Coquelicot. Orchidée. Bleuet. Pensée. Mince, pissenlit. Marguerite. Mince, j'allais dire pâquerette. Tulipe. Je sais. Fleur d'oranger. Rose. Tulipe. Enfin, mince, tournesol. T'as gagné. Elle a gagné. Enfin, il a gagné. Donc, vu que j'ai gagné, je. Mais, si. Vu que j'ai gagné, je resterai un petit pion. Un petit pion fantôme. Si j'en ai trois, je gagne la partie. Vu que nous avons tout trouvé sur nos fiches, et ben nous allons faire une proposition. Et si la proposition est fausse, et ben nous allons donner 2 jetons au fantôme. Et si elle est bonne, et ben on gagne. Et si elle est fausse, la partie continue. Alors maintenant, je vais faire la proposition. Naïl, est-ce que la veste verte et le tapis jaune et le rideau jaune, le piano rouge et le fauteuil vert sont justes? Oui. Là, on a gagné. Youpi! Tata, tata. Hey. Ouais.